C'est lui que nous confessons et nous prions à tout moment. Nous l'exaltons parce qu'il est vainqueur. Vous méritez à moi ta journée, mon bimba. Il le mérite. Il est mérite. Tu peux danser même pour lui en cours de route qu'il soit loué. Parce que il est à volo. Parce que c'est lui qui est un vainqueur. J'en ai. C'est lui qui a vaincu. Il n'y a aucun combat qu'il a perdu. Et dans tes combats, c'est lui ta victoire. Il faut le croire ainsi. Et tu le verras dans ta vie. Et tu le verras dans ta vie. Il y a une grande joie parmi nous parce que le Seigneur nous a donné sa parole. Il n'y a pas donné à tout le monde. Il y a des potiers. Il y a des besoins. Il y a donc il a besoin de se réjouir. Et aussi de manifester ça. Sa miséricorde. Il a formé le vase de miséricorde. Et ce vase-là, malgré tous les combats, ce vase-là le verront. Et comme en lui aussi a la colère, il a formé aussi le vase de la colère. Donc le vase de colère, même si tu l'enseignes d'abandonner la publicité, seulement après les cultes, il sera au rendez-vous de la publicité. Il ne fait pas d'effort pour commettre la publicité. Donc le lendemain, il y a ma paix. La mauvaise nouvelle, et c'est ça le bien pour lui. C'est lui qui a fait. Et c'est Dieu qui a formé toutes ces sortes de vases. Et tantôt la quand avec les armes à la grâce aux armes de vase en miséricorde. Il faut prier le Seigneur qu'il te fasse grâce à cette vase de miséricorde. Le Seigneur explique le ventre ou les soeurs maternelles de Rebecca. Avant les temps. Donc comme un temps avant les temps que nous sommes. Les enfants étaient encore dans le ventre. Comme nous le dit Malachie chapitre 1er et Romains 9. Malachie 1er, le verset 2. Et c'est ce que Dieu a haï Esaü. Et dans le ciel, nous avons haï Naki Esaü. Esaü n'avait pas encore commis ni bien ni mal. Le Seigneur l'avait déjà haï. Et jusqu'à ce qu'il est venu dans la mort, même s'il était le premier-né, il va perdre son droit d'aînesse. C'était l'Éternel avant que Esaü ne vienne, il avait déjà dit qu'il a haï.
Et puis après, il a aimé Jacob. Et puis il a dit qu'il a aimé Jacob. Donc Jacob n'est pas allé dans ma bébé. Jacob, tel qu'il était venu sur la terre, oui, y a, y a, y a. Sa venue sur la terre, a Sima qui talon y a. Il avait saisi son frère aidé par le talon. Talon est à l'issaka qui m'entend mon nom. Donc les talons parlent de la prééminence ou du droit de naissance. Nous le prenons là dans Genèse 25. À Simbi talon, selon la prophétie que le Seigneur avait dit à Rebecca. Il saisit les talons selon la prophétie que le Seigneur avait dit à Rebecca. Que les cadets avaient dominé les premiers. Les qui a besoin au côté pour la Koulutu. Le Seigneur a dit dans Genèse 3. C'est pourquoi nous savons, lorsque Dieu a parlé dans Genèse 3, lorsqu'il parlait avec le serpent, le Seigneur lui a dit dans Genèse 3, à partir du verset 14, jusqu'au verset 16, le Seigneur dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et serpent. Na kutiata kimonguna katikati ya yo nyoka et la femme na mwasi entre ta postérité katikati ya kitana na yo et sa postérité pena kitana ya mwasi celle-ci écrasera la tête kitana ya mwasi ekoniata motu na yo et tu lui blesseras les dents et yo kozokisa ye na lokolo. Donc, et tout le monde va y cela veut dire qu'il y aura un premier-né qui viendra. C'est pourquoi on l'avait appelé le talent dans cette écriture. C'est Jésus-Christ. Les amis Jésus-Christ. C'est lui le premier en Dieu. Il est né à la blessé. C'est lui qui devait être blessé. C'est pourquoi dans l'homme, Égypte comme élève. Le Seigneur avait accompli aussi en Égypte comme un signe. Parce que la femme, oui, que moi si, oui, Ève, la femme Ève que tu vois, Habakkuk 2 nous dit que la prophétie marche. Habakkuk 2 nous dit que sa prière est en Monaco. Et les autres qui la terme encore, ça va s'accomplir. Et elle marche juste à son terme, juste à son accomplissement. Prophétie. La prophétie, dans le monde, il va de la Ève. Lorsque tu vois qu'on est en train de parler d'Ève, parce la Ève aux hommes, tu ne vas pas t'arrêter à Ève que tu vois. Il faut sillonner, continuer l'écriture sainte. Il faut sillonner, continuer dans d'autres écritures. Parce que le Seigneur appelle encore aussi Israël. Le Seigneur appelle aussi Israël comme sa femme. Le coup là, moi si Oyaye. On s'est basé dans Isaïe 54. Nous, tu te bases dans Esaïe 54, verset 5, au verset 5. À lui, ton créateur est ton époux. Mon kelinayo, Azali, mon banino et le bal. Israël est une femme. Israël, Azali, voici. Quand on est en Égypte, lorsque tu le vois en Égypte, il est vrai que l'adoration qu'Israël avait, sache que l'adoration qu'Israël avait, ils avaient qui en inimitié avec les Égyptiens. Ils avaient qui n'a pas eu n'a pas eu à l'Égypte. Là, en Exode 8. Là, en lisant Exode 8, on a mis même à partir du verset 23e, déjà, Moïse a tout sur l'ensemble de Pharaon. À partir du verset 23, où Moïse se sent traité avec Pharaon. Pharaon s'appelait, puis ça y est, que le colon qui n'est pas adoré. Pharaon lui disait, comme vous voulez aller adorer, Otika, Bastinabino, laissez vos femmes, Bananabino, vos enfants, Nabino, et tous vos biens, et vous allez seul adorer après vos besoins. Après, vous retournerez dans le pays. Moïse a voulu adoration. Moïse avait refusé cette adoration. Il y a adoration de l'ignorant. Et toi, même aujourd'hui, tu as refusé une telle adoration. Seulement moi, le Père qui prie le Seigneur. Mais moi, si la Égypte. Même mes enfants deviendraient des esclaves de l'Égypte. Boya. Tu as refusé ce qu'il faut. Donc, il faut le banner qui Josué à l'Obali. Tu l'as dit comme Josué avait dit. Dans Josué 24. Dans Josué 24. À l'Obali. Il avait dit. Cherchez ce que vous avez servi. Moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Il faut que tu papa. Tu vas désirer que toi, le père de la famille. Maman, madame, Nayo. Et ta, ton épouse. Bana, Nayo. Vos enfants. Ils nous servir l'Éternel.
que vous tous vous puissiez servir l'Éternel. Ayez l'habitude de lire la Bible ensemble, toi le Père, qui lis pour les autres. Tu lis, nous avons tout simplement pour que sa compréhension qui est commis les amis. Et tout simplement, tu as la compréhension ou le sens de l'écriture. Donc, il faut déjà en là ou pas n'avoir pour là en commençant de parler aux parents. Il faut qu'à la maison, les enfants prennent les choses de Dieu par ton canal, parent. Et là, on a aussi maman. Et par ton chemin aussi, maman. Il faut pas n'avoir pour là déjà. Il faut que les enfants les apprennent. Il faut que les parents aillent au lycée. Il faut aimer que les enfants que tu as élevés. C'est bien pas à l'intellectuel, les enfants. C'est bien qu'ils deviennent intellectuels. Ils ont bien étudié. Le vrai héritage au côté ça va. Mais le vrai héritage que tu vas leur livrer. C'est ce que toi qui as suivi ce qui te donne de la valeur. C'est les royaux. Ils allaient beaucoup dire ensemble. La parole. Ils nous voient ensemble. Ça va un souci dans mon casse. Et vraiment un grand souci pour vous. Si tu n'élèves pas cela à tes enfants, tu rates vraiment ta maternité. Tu rates vraiment ta maternité. Donc, on est quittant à ma belle. Tu as passé un temps sur la terre. Et on va partir à la terre. Comme le païen. Un païen fait l'effort de chercher une parcelle pour ses enfants. Donc chercher que ses enfants aient les comptes en banque, c'est bon. Et ça, voilà, ce n'est pas mauvais. Il va les éduquer vraiment pour qu'ils soient des intellectuels. Bon. Les amis, madame. Les païens les font. Ma parole au Père ça. Toi aussi fais cela. Mais rajoute encore plus davantage. Donne-leur le royaume de Dieu. Même dans l'église. À ta l'église. Ce qui est génération, si la génération qui vient après nous est ministre. Donc, dans le verra, jeunesse. Je parle de la jeunesse. Le jeune de Dieu. Ce qui est basé, attaché ma casse, dans une vie. Prier. S'ils ne sont pas très attachés à une vie de prière, une vie de la parole, une vie de la parole, et pas que dans la suite des temps, sachez que dans la suite des temps, l'église va être comme un texte, ne va pas protester comment. Cette église deviendra textuellement comme celle des protestants. Et vous allez baser sur le système intellectuel. Ce sera une église basée sur le système intellectuel. Un homme plus intelligent est d'abord comme un outil. Mon Dieu, ma yé, ma tasse n'a pas dit pourquoi ma moutée est un homme plus intelligent, il n'a pas de charge à Katinaman. Un homme plus intelligent qui pourrait prendre la charge au milieu de Dieu. Intelligence par rapport à mon. Ma yé, le yé, ça dit à moutée. Le Seigneur avait un mot folie. Ça va bien avoir dit bon ma. Et c'est comme ça qu'un protestant va t'envoyer dans la catholique. Et c'est comme ça que les catholiques et les protestants marchent. Les catholiques, pardon, les bazar, les hommes les plus intelligents sur la terre. Ce sont les catholiques qui sont les hommes les plus intelligents ou sages sur la terre. Parce que c'est là qui va pour Anana et Esaou. Parce qu'il fallait qu'ils se ressemblent à Esaou. Parce que Esaou est très intelligent. Esaou est très intelligent dans les Écritures. Autant qu'il est écrit, autant qu'il y a Abdias. Si tu lis le livre du prophète Abdias, Esaou est très intelligent. Esaou est très intelligent. À un moment, attendez, dans l'école. Parce que les catholiques sont nos frères. Dans la première, si tu refuses cela, tu ne pourras pas expliquer. Bon ami, ni Esaou na Jacob, Bazalati pas frère, mais Bazalati na opposition aussi un temps. Pourquoi Esaou et Jacob étaient des frères, mais qui s'opposaient? Oui, parce que Edom a dérivé la carte Israël dans l'Égypte. Parce que Edom s'était opposé à Israël lorsqu'il provenait de l'Égypte. Dans Nombre chapitre 20. Dans Nombre chapitre 20. À partir du verset 17. À partir du verset 17. À s'opposer au Yah Israël. Il s'était opposé à Israël, lui, par la marche. Alors, quand il a dit, il avait dit que je sortirai avec mon épée pour t'exterminer. Les seigneurs seront au cani déjà monté, il va te gommer. Chez les seigneurs, si tu prévois de tuer quelqu'un, tu l'as déjà fait. Donc, d'abord, il faut vie. J'ai dit d'abord qu'il faut que ta vie aux affaires
Cherche de te sanctifier davantage. Et donc, mon aîné, il faut ça dans la bonne. La plus grande chose que tu vas faire dans ta vie, connaître la parole. Faut connaître. Tu ne la connais pas pour devenir prédicateur. Mais tu la maîtrises pour savoir résister aux fausses doctrines. Vous avez la facilité aussi à cause de la débat et à témoigner bien le Seigneur. Et tu as aussi la facilité de faire le débat et bien témoigner le Seigneur. Vous pouvez remarquer un homme. Tu vas remarquer un homme. Aza étudiant. Il est étudiant. Et Azali est bien en deuxième licence. Il est par exemple en deuxième licence. Sauf qu'il aujourd'hui, syllabus est professeur. Si tu prends le syllabus du professeur, à oui, il sait que la page 63, il peut te dire à la page 63, il y a des choses qui sont dites à l'intérieur. Il a la page 129. Alors, ce problème ici, c'est dans la page 129. Même si c'est le syllabus, c'est gros syllabus. Mais il a tout mémorisé. Mais si vous voyez Bible. Mais si tu parles de la Bible, dis-moi, je n'ai pas vraiment la tâche de maîtriser les versets. De maîtriser les versets. Quand tu étais à l'école primaire, tu maîtrisais ces syllabus-là de l'université. Tu t'es exercé. Au mi-pesaki, n'a pas d'âme. C'est pourquoi tu les as tous maîtrisés. Oui. Donc tu fais des nuits blanches. On va lire parfois 21h, 14h. Tu commences parfois de 21h jusqu'à 4h. Pour ça, on a un terreau. Parce que tu as une interrogation. Souci dans les années. C'est quoi ton souci? Aujourd'hui. Que tu puisses réussir à l'interrogation. Que tu ne puisses pas décevoir les parents. Que tu ne puisses pas perdre l'argent des frais académiques. Et sur l'avenir devenir un grand homme. Et que tu puisses avoir aussi le salaire. Et tu puisses acheter un véhicule. Pour considérer la société. Et tu sois considéré dans la communauté. Et c'est pourquoi tu as beaucoup étudié les services. Pour devenir un grand homme dans la société. Mais pourquoi tu ne lis pas beaucoup la parole de Dieu? C'est que c'est important. Donc c'est qu'elle n'est pas importante. Hein? C'est important. On commence à se dire que c'est une parole. Et tu verras si quelqu'un prend la Bible. La page, non? Il est sur une page. Ça d'abord dégoûté. Donc il est dégoûté là. C'est important. De lire la Bible. C'est le cas. Et ça, ma tata. Comportement, il faut refuser ou bannir ces comportements. Il faut aimer le Seigneur de toute ta force. Le Seigneur dit qu'on c'est ça, c'est les bêtises. La matasse là où on donc prendre du temps pour le Seigneur, donc ma casse est là. Donc dans ta force, prendre du temps pour le Seigneur. Il faut que tu l'offres à Dieu. Les journées. Tu prends vraiment la journée. Au candy, ma téléphone. Et tu fermes le téléphone. Qui fait que la lecture. Aux os, tape la carte à ma commis. Des écritures saintes. Il y a ma commis et centre. Et même que de toute ta force. Les amis qu'on lui m'a dit, ma casse, c'est un moment. Prends du temps. Sois tape au moment. C'est très important. Les amis m'ont tué à Poli. Ces moments, et Poléka. Ces moments passera. Âge n'a raison avancé. Ton âge avance. Il y a d'autres qui nous ont précédés sur la terre, ils sont déjà passés. Ils attendent aussi leur salaire. Ils ont pensé que le Seigneur a été si beau. Et nous aussi, si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, nous passerons. Et c'est d'autres qui vont nous remplacer sur la terre. Mais aujourd'hui, quel salaire? Mais tu attends quel salaire à la fin? Quand ta force est à toucher tout simplement à ma cambouille. Lorsque ta force est toujours consacrée aux choses de la terre. Quel salaire aujourd'hui? Il faut dire aux choses, ce n'est pas le salaire. Ouano Ozoa, salaire état. Et c'est même. Là, tu as le salaire d'autres même organisme. Comme un employé de l'organisme. Et maman faut faire 12 000 dollars. Mais tu payes 12 000 dollars. 20 000. 20 000. Il y a beaucoup de salaire qui m'a cassé pour toi. C'est pourquoi tu as fourni beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Mais le souci n'a rien. Mais le souci. C'est pour qu'on a voulu bien. C'est pour que tu commences à bien te nourrir. Après l'écriture, il dit dans 1 Corinthiens 6. Après l'écriture, il dit dans 1 Corinthiens 6. Les aliments sont pour les ventres. Il est les aliments pour l'aliment. Le ventre est pour les aliments.
Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Salaire et sur tout le temps. Le salaire de tout ce que tu consacres à ton enfant. Dieu détruira ça. Ça met à couper le salaire. Attends, au moulin, on a pour table, les gens vraiment bien garnis. Même si tu commences à manger dans ta maison, bien garni. Vanité de vanité. Pamba, pamba. Jésus-Christ a l'a dit. Jésus-Christ l'avait dit. Dans Luc 10. Dans Luc 10. A Jésus sa marque. Il disait à Marthe. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Est-ce que Jésus a compris ça? Est-ce que Jésus pourrait mentir? Non. Une seule. T'as qu'il est pour encore. Est nécessaire. Il s'agit pour tout. Où il y a pour tout. Il y a qu'à encore. Ce qui est nécessaire, c'est une seule chose. Naomi a choisi la bonne part. L'Iaponi était plutôt libre. Qui ne lui sera point ôté. Où le monte mon côté à côté de mon côté. Il est pour tout. Et il faut s'en rappeler. Après que nous sommes sur la terre. Part que Marie a donné. C'est la part que Marie avait choisi. Servir le Seigneur dans ta vie. Ou saler la corona. Vivre une vie à sanctification. Fouiller les péchés. Ou qui m'a dit soumis. Ou garder la sainteté. Ou battre la boussante. Collingaumon dans les dons spirituels dans ta vie. Laissez voir les dons spirituels s'ouvrir dans ta vie. Ma soeur, mon frère. Mais pour moi, si peu mal. Il faut l'ingager les dons de Dieu pour moi dans ta vie. Tu dois désirer que les dons du Seigneur s'ouvrent dans ta vie. C'est très important. Et ça n'est plus à connu. Ce qui les choses que Dieu nous fait dans ta vie. Si les choses spirituelles ne s'ouvrent pas dans ta vie. Dans la suite des temps. Dans la suite des temps. Vous allez être très nécessaire pour la communauté et à Congo. Ce sera nécessaire que pour la communauté. Un homme consulté. Autrement, un homme à son salaire. 20 000 dollars. Un homme qui reçoit le salaire de 20 000 dollars. Un homme à son honneur. Il y a un chef coutumier. Un homme qui reçoit les honneurs de chef coutumier. Et vous allez en aider. Et tu seras comme cela. Il y a un aider. Et tu finis aussi comme ça. Dans la face, si on pas 8 cars ou son livre ou pas avion. Tu as besoin d'acheter des véhicules et même des avions. Son tu les achètes aussi des avions. Si on est un petit porteur. Et tu sillonnes dans des petits porteurs. Récompense aux huit. C'est la récompense que tu as obtenue. Mais c'est bien, vous allez en aider. Mais c'est bien, tu pourrais être. Mais il y a les 5 choses. Ça, c'est le comment pour t'accaler sa vie pour toi. Ah, pardon. L'idoma. Dans tout ce que tu vois détenir les gens. Mais la parole n'est pas. Mais la parole n'est pas chez tout le monde. Il faut nous gagner où est nécessaire. Tu dois chercher ce qui est nécessaire. Beaucoup de n'en a pas un frère. Vous croisez à la maison, cher frère. Prenez le temps de partager de la parole. C'est très important. Et ça dit pour tout pour les cas. Au moins on est ensemble, 3-4 personnes. Vous croisez 3 ou 4 personnes. Vous bêtez les sourds à parole. Parlez de la parole entre vous. Ceux qui osent un reproche à vous, ça une sœur. Si toi tu as une reproche à faire à une sœur. Pour que les bêtes les sourds à sœur, on n'a pas battu nos sous-sous. Il ne va pas raconter cela chez d'autres personnes. Et ça, principe écriture d'aide. Ce n'est pas le principe des saintes écritures. Qu'elle est trouvée. Va trouver ta bien-aimée. Voyez, lorsque tu parles avec ton frère, qu'il avait commis une faute par exemple. Il faut que tu aies l'assurance en toi que Dieu l'a compté aussi là-bas dans le ciel. Que l'a compté aussi là-bas dans le ciel. La même manière qu'on avait montré, Ribel a un temps. Ribel se retrouve. Et Ribel a une pierre précieuse. Mais il se retrouve aussi comme la pierre précieuse. La Torah souveraine. Sur la poitrine du souverain sacrificateur. Pourquoi on a une faiblesse? Tu pourrais voir ton frère dans une faiblesse. Pourquoi on a ça bien? Comme toi, tu es bien. Et qu'on a ton frère. Bible le dit. La Bible dit. Si tu veux voir les jours heureux, sauf qu'on dit qu'au monde à Nicolas et Seigneur, vivre longtemps, puis on ouvre la ma bénédiction, préserve ta bouche, battez-la, Bible mon aïeux. Et ça, et ça, c'est seulement cela. Préserve ta langue, battez-la, l'olé mon aïeux. Jacques a dit, ce qui nous doit maîtriser bien sa langue, si quelqu'un arrive à maîtriser sa langue, il devient un homme parfait.
a commis vraiment parfait. Il devient vraiment parfait. La langue. Le lèvre. Ça est le principe à Bible. Utilise le principe biblique. Aux anges, on va vous reprocher, frère. Tu as quelque chose à reprocher à ton frère. Parle avec lui en privé. Ce qui t'a yoguéoté. S'il ne t'écoute pas. Aux yeux, la deuxième personne, le serviteur de Dieu. Non, la deuxième personne, le serviteur de Dieu. Ce qui est serviteur de Dieu. Et s'il n'écoute pas non plus le serviteur. Et comme en étape de dire cela à l'église. Nous arriverons à l'étape de dire. Ça fout tout son mal à l'église. Là, on n'a pas encore chassé. Nous le faisons de même. Commande à frère Manga, lève-toi. Vous voyez ce frère Manga? Qui? Donc, c'était le pire. Là, nous ne l'avons pas encore chassé. On n'a pas encore chassé. Donc, elle est un pilier d'attitré. Donc quand vous bouillez, tout détaillé, il y a une église. Nous détaillons vraiment qu'il marche par les désordres. Nous le vivons souvent. Et nous disons qu'on puisse l'aider. Et dans le sens qu'il y a la honte. C'est dans le sens qu'il éprouve de la honte. Et pour récupérer notre frère. Afin que nous le récupérions. Attends, Osa papa. Même si tu es un papa. Osa responsable de ce qui wapi. Je suis responsable si c'est quoi. Là, c'est là-bas. À reprocher. On te reproche et tu n'écoutes pas. Dans l'église, tu es un enfant. Dans l'église, tu es sous la conduite de l'œuvre de Dieu. Si on te reproche et que tu n'écoutes pas. D'abord, quand tu désobéis à la parole, tu humilies le Christ Jésus. Maintenant, toi, tu ne puisses plus m'ignorer. Donc, toi, tu vas blâmer avec Jésus. Donc, les païens te voient dans les désordres à l'hôtel. Et puis, on est en train de se moquer de l'offre de Jésus. Maintenant, nous puissions t'honorer, toi, dans l'église. On ne trouve pas bon normal. Et puis, tu le trouves normal. Tu humilies Jésus partout. Si tu vas fuir l'église, gloire à Dieu. Le coup de la saveur. Sauf qu'il s'est gommé dans les narrotes. Si tu vous sais que tu n'étais pas appelé, ton loupa. Nous allons parler de ton péché. Pour détailler. Et nous les détaillons, mais ils sont tombés dans les narrotes. Mais nous ne te chassons pas encore. Parce que ça m'a dit 18. Parce que nous procédons par Matthieu 18. Sauf qu'il maintenant ton monique est au commis. Lèpre. Et donc si nous constatons que tu deviens lèpre. Parce que lèpre créera insensibilité dans ma partie à corps. Parce que la lèpre crée l'insensibilité dans le parti du corps. Attends, aujourd'hui, même si tu frappes, insensible. Il ne sentira rien parce qu'il est insensible. Là, si tu es insensible, la réprimande même à l'église, ma culte. Là, si tu es insensible au blâme ou au réprimande dans l'église. Voilà pour moi qui au Liban. Là, nous te livrons entre les mains de sa part. Par souci, il y a pour récupérer. Il y a pour récupérer. On s'est répandu. Enfin, que tu te répandes. Au cas où, au boy, nous n'avons pas qu'on s'occupe en bas. Au cas où tu refuses, le Seigneur s'occupera de toi. Quand tu as un mauvais témoignage, il ne faut pas marcher avec un mauvais témoignage. Et l'opinion, il faut vérifier par témoin. Tu dois vérifier toutes choses par des témoins. Pour mauvais témoignage, l'écriture de la Bible va sanctionner dans nos droits. Parce que dans la Bible, on sanctionne les faux témoins. On l'a dit, ma belle bonne sœur. Tu parles mal contre une sœur. Et par l'amnéli, ton l'amnéli, ton zoyo kayango. Et que nous faisons des. Examen pour et que nous faisons appel à toi. Et nous cherchons comment résoudre ça. Et nous voyons que c'était un faux témoignage. Sanction nous avons aidé pour la scène. La sanction que tu attendais s'abattre sur la scène. Il faut quoi aller. Toi maintenant tomber sur toi. Ton babina ou ton télévision église. Commençons d'abord par te faire l'évaluation.
Dans l'église, tu n'es pas venu jouer.
hier au sein de la je n'ai pas venu là pour les alliances humaines. Mais oui, pour élever le Seigneur. Mais Dieu veut élever le Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous allons 30 minutes dans quelque chose. Nous allons vous entretenir seulement pendant 30 minutes. Parce que j'en ai besoin vraiment, j'ai senti que je devais parler. Parce que j'avais senti que je devais vous exhorter. Que Seigneur n'a pas veillé la vie n'a eu devant l'enseignement. Il faut savoir veiller devant l'enseignement. Ce qui nous sont, si nous, étant des ministres, étant des hommes de Dieu, t'occuper en terre, nous ne nous occupons pas de la côté. Le Seigneur ne va pas. Et là, c'est terrible que les hommes là prennent le soin de ton problème. C'est terrible que le Seigneur lui-même prenne soin de ton problème. C'est terrible. Les amis sont mon Moninga. Vous voyez, le ministre, vous savez, les hommes de Dieu, Hébreux 5, verset 1er, le dit. Hébreux 5, verset 1er, dit. Dieu a établi les sacrificateurs parmi les hommes, pour des hommes. Pour la bateau. Vous en avez un? A Dieu mis ce pourquoi? Pourquoi il vous a dit? Pour la mine. Pour vous. Pour la coïne, mine, on a dit qu'on est allé pécher. Pour vous aider en ce qui concerne le péché. Afin que l'homme m'en a péché ou comme en la justice de Dieu. Afin que tu sortes du péché et parvenir à la justice. C'est ça, Hébreux 5, verset 1er. Si moi je fais des blagues ici, Dieu la chaîne. Tel que toi tu es. Osa couronne nanga. Tu es ma couronne. Église c'est la couronne et un ministre. L'église c'est la couronne de tous les serviteurs. Son patron Satan a église. S'il joue avec l'église. Et il va perdre sa propre couronne. Ça veut dire qu'il perd sa propre couronne, sa propre. Monter à cause de la terre, on a monté. Les serviteurs de Dieu ne peuvent pas être la parole. Ils ont ménagé avec la parole. Mais il ménage, il fait des compromis. Ils ont perdre sa vie. Il est en train de perdre son propre salut. Monter. L'église est là, maman. L'église est là. Mazoko a prié, ma tenue est contraire à la parole. Appuie des tenues de femmes contraires à la parole. Maman, ta mère est contraire à la vérité. Des choses contraires à la vérité. Il y a un homme qui s'est bien. Et il pense qu'il fait bien. C'est sa couronne qui a donné ça. Et ça, pour tous les gens, il a dit qu'on a donné ça. Nasuka, on a dit qu'on a donné un enlèvement. À la fin, ce serviteur-là n'ira pas à l'enlèvement. Pour à Sakali, l'église. Parce qu'il se joue avec l'église de Dieu. C'est ça la parole. Il y a bon de l'innovation. Nous ne sommes pas libres ici, Dieu de la chair. Nous sommes des serviteurs de Christ. Nous arrivons à ça, Jésus-Christ. Nous disons ce que la parole est l'objet. Nous disons ce que dit la parole. Oh, la parole est l'objet. Ce que la parole n'a pas dit, nous ne le dirons pas non plus. Donc c'est que la parole est ton maman. Nous désirons que la parole soit élevée. Bisoto kita. Afin que nous puissions nous humilier. C'est pourquoi ceux qui balobi makambonayo na église. C'est pourquoi si on dit ton problème à l'église. Comme tu me dis ça, t'es pour les écritures. Ne te tourmente pas parce que c'est l'écriture de ceux qui va bêter les solos, là, on va télémission, va bêter les solos, là. Si on te fait lever ton rapport, c'est ton problème. La songi, là, on est ton comportage. L'aigné aux autres tambours, là. La manière dont tu marches, les écritures. C'est l'écriture de Dieu. Rosa m'a dit, comment tu es dans les impulses. Oui, Emmanuel. Qui est connu de nous. On a changé. Et tu ne changes pas. On met les solos, là. On va les raconter. Ici, Dieu l'a chaîne. Très clair. Très clair. Donc, nous te faisons lever. C'est ça l'écriture. Il y a bon de l'économie en Zambé. Yo, on humilié Jésus, mais moi, il vous a humilié. Toi, tu as humilié Jésus, mais tu refuses d'être humilié par la suite. Partout, parce qu'on méprise le nom de Jésus. Et partout, on méprise le nom de Jésus. Dissolvez ton bête, t'es ma peau. Et nous aussi, que nous puissions t'acclamer. Pour tout mon aim. Et quand on. Ça va? Les avertissements. Et salut, qui est ici? Pourtant, les collègues, on est tourné sa terre. Parce que lorsque cela arrivera, que tu ne puisses pas t'inquiéter. Donc, on dit qu'on méprisait couronne dans la sur terre. Nous ne pouvons pas mépriser notre couronne. Couronne, on a jamais eu. Et cette couronne-là, c'est toi, le peuple. Donc, il faut donc qu'il y ait quelque chose à la malade avec la parole. Nous devons aimer que tu sois en harmonie avec la parole. Mettons la paix, récompense à bien. Afin que nous attendions aussi une bonne récompense. Que Dieu vous bénisse. Ça ne met à part pour la vie. Car lui que celui qui est intelligent à prendre garde à ces choses. La voix de l'Éternel est à droite. Et abonnez-vous au PSA 14.
verset 9. Verset 9. Pour 20 à 30 minutes. Nous levons pour la lecture. Oui, aujourd'hui, Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2. Par la grâce du Seigneur. Apocalypse chapitre 2. Le verset 14. Le verset 14. La 15. Et le verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dans votre temps d'appel, Apocalypse 2. Je lirai aussi Apocalypse 2. Dans le verset 6. Au verset 6. Dans la même la 6. Je commence à partir du verset 6. Il y a pourtant ceci. Ce que tu es les œuvres de Nicolaïtes. Œuvres que j'ai aussi. Donc, verset 14 et 15. Le verset 14 et 15. Et puis, nous retenons aussi verset 21. Et nous lirons aussi le verset 21. Toujours Apocalypse 2. Toujours Apocalypse 2. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Et même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Le verset 21. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répandit. Et elle ne veut pas se répandir de son impudicité. Que Dieu bénisse les lectures profondes par la grâce de Dieu. Nous rassurons par la grâce du Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur a donc aidé Bissot petit à petit par sa grâce. Nous croyons que le Seigneur nous assiste petit à petit par sa grâce. Total Isaki. Oui. On avait montré ceci dans la semaine, au cours de la semaine, que Caleb Azalaka et le Moya, peuple lion Sokoyo, basa la foi. Et Caleb est le signe de tout le peuple qui a la foi. Selon Josué 14. Selon Josué chapitre 14. Yé Caleb a l'anga kinzela ensemble pleinement. Et c'est Caleb avait suivi pleinement la voie de l'Éternel. Il est le signe de ceux qui détiennent la foi. Et besoin qui deux passages. Et on avait pris deux passages dans les Épîtres. Dans Hébreux 4. Dans Hébreux chapitre 4. Dans verset 3. Au verset 3. On a tomoni. Là-bas on a vu. Pour nous qui avons crié. Pour la bissoto et nous entrons. Donc côté. Ensuite, besoin qui verset 11. Ensuite, on avait pris le verset 11. Il y a Hébreux 4. Hébreux chapitre 4. On est lui, efforçons-nous d'entrer. Là-bas, et comment plutôt ça, la macasse, il y a beaucoup de temps. On est aux hommes qui, dans l'ancienne alliance. Alors, on était rentré dans l'ancienne alliance. Total Isaki qui m'a bêlé à obéir. On avait montré que la terre est repos. Et ça, après Jourdain. C'est la terre après ou au-delà de Jourdain. Côté à coucher à soleil. Côté de l'Occident. Il y a moins des comme héritage. Et c'est ce qui était comme l'héritage. On voit qu'il y a encore un Zambé à Benga et un repos. On avait dit comme le Seigneur l'avait appelé le repos. Repos, ils ont là tout un jour. Et repos, c'est tout un jour. Dans Genèse 2, verset 1er. Dans Genèse 2, le verset 1er. Dans deuxième. Et deuxième. Et lui qui Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Zambé a peur qu'il a mis ça à l'union sur sa vie. Et il sanctifia ces jours-là. Mais à pour lui, ça qui et dans Exode 20, et dans Exode 20,
reprendre encore à partir du verset 10 à 11. On a repris à partir du verset 10 à 11. Les jours de repos. Mon corps est occupé. Donc, terre, le corps, la bannière, le repos. Donc, comme on a appelé cette terre, le verset, on a béni ma commission, ma bénéoana comme un jour. Donc, cela veut dire qu'on a fait de cette terre comme un jour. Il y a un mot total, Isaki. C'est ce qu'on avait montré. Dans Hébreux 4. Dans Hébreux chapitre 4. Pour la limite aux autres, il y a un bénéoana. Pourquoi nous prêchons comme ça? Et d'abord, apôtre, père, bâtir qui bon. C'est parce que les apôtres aussi avaient prêché ainsi. Bazoua qui. Israélites, oyo yo batosa qui était dans le désert. Ils avaient pris les Israélites qui étaient des rebelles dans le désert. Akokanisi bangona ba Israélites oyo ba telemeli Jésus. Et ils les ont comparés aux enfants d'Israël qui s'étaient opposés au Christ Jésus. Alors bananike oyo bazala qui na désert. Alors les petits enfants qui étaient dans le désert oyo bazala qui comptaient parmi les rebelles et qui n'étaient pas comptés parmi ceux qui s'étaient rebellés. Hébreux 4 Kokanisi bango na biso. Hébreux 4 les a comparés à nous l'église. Or na kati na bango bakoti. Or parmi ceux-là qui sont entrés, et tomoni Caleb. Et nous avons vu Caleb. Caleb a résumé Batonios Oyo Baobéi. Et Caleb résume tous ceux qui étaient obéissants. Alors son côté qui m'a solo Oyo Ezali na l'air à Moïse. Alors si tu laisses l'histoire qui est du temps de Moïse, Oye Nathan na biso. Et que tu viens à notre temps. Otali Nengi Toteani. Et tu observes comment est-ce que nous sommes enseignés. Aujourd'hui, Hébreu 3. Et tu prends Hébreu chapitre. Aujourd'hui, on a Hébreu 4. Et Hébreu 4. Au moment où on n'a pas présenté. Tu verras là-bas, on a présenté. Israël, Oyo Atosite Aboaki Jésus-Christ. Israël qui n'a pas obéi et qui a rejeté le Christ. Comme Batouano Batelemela qui va s'y dans le désert. Donc, ces gens-là, les rebelles qui étaient tombés dans le désert. Maintenant, il y a un monde de tout c'est que Caleb Baza et Lembo. C'est à cause de cela que nous montrons que Caleb, c'est le signe de nous, l'Église. Donc, tant que Caleb est à côté, ma belle-mère va traverser Jourdain. Lorsque Caleb est entré dans cette terre, après avoir traversé, il est important pour nous qui avons crié, nous entendons. C'est la montre qu'on a mis sur ton divin, ton côté de la montagne. Et Caleb aussi a vu ma belle oyoyo et la kama qui. Et Caleb aussi a reçu la terre qui était promise à lui. La montagne des grands. Et nous allons bah, efforçons-nous d'entrer. Nous disons tout ça à ma casse, il y a beaucoup de temps. Le corps a une parole. Donc, quand tu as cru à la parole, aussi au côté, tu es déjà entré. Mais il faut s'efforcer beaucoup de temps. Mais tu dois encore t'efforcer à y entrer. On est tout la main. Donc, afin que tu sois enlevé, toujours si ma souffle est connu. Qu'est-ce que nous saisissons encore? Tolopaki que Mouta Bakati Jourdain. On avait dit depuis qu'ils ont traversé le Jourdain. Caleb a commis à Hébron jusqu'à ce que Caleb parvienne à Hébron. Et ça a 7 ans. Cela avait fait 7 ans. Et tout est ça 7 ans. Hein? Et nous montrons que c'est 7 ans. Chiffre 7 est allé à la perfection. Le chiffre 7 parle de la perfection. Et maintenant, il y a un autre monde, Josué. Et en cela, nous voyons Josué. Adamolama Caleb. Il a marché avec Caleb. A Tikaïté. Il ne l'avait pas abandonné. Or, Josué a un héritier à Moïse. Or, Josué, c'est l'héritier de Moïse. Oui, Moïse, vous avez. Qui n'a pas appris ça à Josué. Ce que Moïse avait, il l'avait donné à Josué. Il y a un autre talis qui, c'est pourquoi on avait montré l'héritier de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. On voit pas que Jésus-Christ est fils de Dieu. Il ne faut pas refuser que le Christ est le fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Il est Azali Pentabon Azambe. Il est aussi Dieu. Azali Pentabé. Sauf que le mot est fils. Si tu enlèves comme fils, au bébé, si Bible est mon bimba. Et tu détruis toute la Bible. Parce que fils, hein, parce que le fils, il est à Sangola Kalibula. C'est lui qui hérite l'héritage. Donc fils, hein, le fils, testament et ça les mamans. Bonaï. C'est pour lui que le testament est rédigé. Sauf que le mot est fils au bébé, si Bible. Si tu enlèves Jésus comme le fils, tu détruis les apôtres. Apôtre Matthieu, Nicolas, Jésus comme fils de Dieu. Les apôtres ont prêché Jésus comme le fils de Dieu. Et puis Matthieu aussi, Gaza, Dieu. Et puis ils ont prêché père. Aussi le Dieu véritable, le Père. Gaza, Père. Il est Père. Pour Gaza, testateur. Parce qu'il est celui qui a rédigé les il faut en aller au bon répondre à ma question à proposer. Il faut que tu aies la manière de répondre aux questions qui pourraient être. Gaza aussi, Père. Il est aussi Père. Selon Romains 11, au verset 36. Selon Romains 11, verset 36. Alors, ni
nyonso esalemaki na ye. On dit tout a été créé par lui. Ewuta na kati na ye. Donc cela provenait de lui. Père, les animaux ont zombi misanyans. Donc le père, c'est celui qui fait sortir. Avant il a créé les corons, a créé les rognons. C'est lui qui a créé les cieux et toutes les choses. D'abord le père. Donc c'est lui le père. Donc il est engendré nyons. Celui qui a tout engendré. Mais Aza fils. Mais il est aussi fils. Comment? Adam bénissait déjà. Parce que Adam avait déjà détruit. Moi, dans mon côté, j'avais capable de prendre une place dans mon fils. Aucun fils n'était capable de prendre cette place-là dans le fils. C'est pourquoi Dieu avait établi une loi. Alors, il y a l'ingara premier-né. Lui-même qui est le premier-né. L'ingara premier. Il aime que ce qui est premier. Alors, on n'a pas battu. Il ne l'avait pas dit enfant. Pour la côté, c'est que. Un seul a désobéi à Adam, atrocité. Mon corps est à Zalaki, aussi. Ils sont pas sous ton compte dans le péché. Et nous tous nous sommes entrés dans le péché, dans la mort. Il y a autant de monde qui m'a dit non, Azara, ma coquille, pour faire la boucle, beaucoup à venir. C'est pourquoi, lorsque la question s'était posée, qui est dit d'ouvrir le livre et la rompre de ce personne. On te remontait à Koutamaki. Et à mon nom, il va répondre pourquoi c'est là qui Koya n'a le lien que moi, si n'a mon bali. C'est pourquoi tu sauras répondre pourquoi il n'était pas venu par l'accouplement de l'homme et de la femme. Soka yakindingewana. S'il était venu de cette manière. Et papa na maman basanganine ma boti Jésus. Et que c'était l'accouplement du père et de la mère pour le Adam. Il allait être sous le sang d'Adam. Parce que Adam ordre ma paix ce qui est multipliez-vous. Parce que l'ordre donné à Adam, c'était la multiplication. Donc, il va s'accoupler pas se multiplier. Avec sa femme pour se multiplier. Jésus a bouillé au lion. Jésus a refusé de venir de ce par la puissance de l'esprit. Aïe, la bouillie au lion au centre. Aïe, différemment. Oui, Adam, ça va faire sa femme. Il est venu différemment de la manière dont Adam se multiplie. Il est venu comme commencement. Il est sorti comme un autre commencement. Donc, le commencement d'une naissance par le Saint-Esprit, c'est ça, aux autres, il dit ça, fils. Et c'est ce qui confirme qu'il est le fils. C'est très important. Et ça dit qu'on tue à quoi? Il y a un autre jour au paquet. C'est pourquoi nous disons Moïse comme père, bon, c'est le la tata, comme les testateurs, le la comme il avait donné toute la richesse et pas à Josué. À Josué. C'est Josué qui est l'héritier. Les amis, Yoshua, ça dit qu'on s'envolit. Maintenant, Caleb a ça comme co-héritier. Maintenant, Caleb, nous s'envolions le monde à Yoshua. Il y a beaucoup de temps qui est la réalité. C'est pourquoi on avait lu dans la réalité. Véritable Josué. Le véritable Josué. C'est Jésus-Christ. Les amis, Jésus-Christ. Il est né avant héritier. C'est lui qui est l'héritier. Et nous, nous sommes ceux qui héritent ensemble avec lui. Dans le Romains 8, verset 17. Je lis le Romains 8, le verset 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Que Dieu bénisse. Amen. Nous avons cohérité à Christ. Nous sommes les cohérités du Christ Jésus. Et voilà, tous les mots, tous les mots, il y a l'élimbo. Et l'élimbo, il s'est avec Caleb. Et là, nous voyons être dans le signe qui s'était fait avec Caleb. Mais totalisé que Caleb a combattu qui trois fils d'Anak. On avait montré que Caleb avait combattu contre les trois fils d'Anak. Caleb, voilà, ça, il est moins église. Caleb, qui est le signe de l'église, a fondé ça trois fils d'Anak. Il a combattu les trois fils d'Anak. Il faut que les trois fils d'Anak soient des géants. Tu dois savoir que ces trois fils d'Anak sont des géants. Quand on dit géants, à ton binga, et ça, il est considéré au monde. Donc, c'est ça, géant. Aux yeux des hommes. Et ça, le la mer et à Noé. C'est comme l'idole de Noé. Il y avait des géants. Et ça, là, qui n'a pas mis pas l'idée. Donc, considéré. Des gens qui étaient fameux dans l'Antiquité. Très élevés. Donc, très célèbres. Et construction et ville. Et la construction de leur ville. Alors, il y a Miraille, Bango, et ça, qui va vivre beaucoup fortifié jusqu'au ciel. On a dit, les villes de fils d'Anak étaient grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Donc, Bazara qui n'est dit. Et l'obélion est au moment de Genèse 11. Donc, ils étaient comme les signes de la vache tachée de Genèse 11. Construisons une ville dont il faut atteindre le ciel. Donc, tout va toucher le ciel.
ancien. Mais ton moni a moi pas un fils d'Anna. Mais on l'a vu aussi chez le fils d'Anna. Dans Deutéronome chapitre 1er. Dans Deutéronome chapitre 1er. Tout en y a moi toujours par la grâce de Dieu. Ils ont selon le nom de Jésus-Christ. Dans verset 30. Tout le verset 28, tiens. Deutéronome 1er, verset 28, tiens. Deutéronome 1er, verset 28. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Nous t'inquiétons au Jésus-Christ. Où nous monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage. En disant, c'est un peuple brigand. Des plus hautes têtes que nous. Ce sont des villes grandes. Et fortifié jusqu'au ciel. Et le vélo et amonné va ta tour de Babel. C'est la tâche qu'avait utilisé aussi les gens de la tour de Babel. Mais, et pour qui ça n'a pas fils d'Anna. Mais cela s'est accompli avec le fils d'Anna. Leur construction, ma benga et amour, construction jusqu'au ciel. Donc leur construction était appelée des constructions qui touchaient le ciel. Et, bateau, ben, on peut s'en avoir. Et ceux qui étaient venus rendre le monde, ils ont dit qu'à leurs yeux, on a paru comme des sauterelles. Cela veut dire quoi? Et lui, comme on a dit, ma fils d'Anak Baza comme ma faux Dieu. Donc le fils d'Anak sont comme des faux dieux. Parce que Esaïe 44, verset 22. Parce que Esaïe 44, le verset 22. Attends, moi aussi par la grâce de Dieu. Je le dis par la grâce du Seigneur. Esaïe 44. Esaïe 44. En verset 21. Verset 22. Parce que peuple d'Israël, à ce moment-là, dit Gaza, sauterait devant ma toi, ma géant. Parce que le peuple d'Israël paraît être comme des sauterelles devant les géants. Parce que ça tient à ma casse. Parce que cela est très important. Donc c'est très important, toujours dans l'écriture, un mot. Oui. Verset 22, Esaïe 40. Merci. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui habitent sont comme des sauterelles. Il est dans les cieux. Comme il est dans le ciel. Au moins, on t'en a donné des mètres. Vous voyez comment est-ce que tu arranges les humains là? Tu prends les draps et puis tu l'étales. Le n'est pas tendre. De la même manière, le Seigneur a étendu aussi le ciel. Il faut vous parler. Il faut les craindre. Amen. Amen. Il déploie comme une tente. À son tendre, loco la Emma. Vous remarquez que rapport. Vous remarquez que c'est rapport. Rapport. Dieu n'a pas habitant terre. Dieu a. Entre Dieu et les habitants de la terre. Dieu voit les habitants de la terre comme les sauterelles. Sa mère s'est dit que vous n'avez pas fait de la voir ma banque. Les fils d'Akan aussi. Pas la paix à la carte. Voit les Israélites aussi. Parce que vous n'avez pas d'Israël. Comme des sauterelles. Le coup à ma banque. Et les villes. Elles ont fortifié jusqu'au ciel. Sont fortifiées jusqu'au ciel. Donc en réalité, la boussole à ma carte. Baza. Ma faux Dieu. Parce qu'il va t'amener à l'occupant. À la fois place des dieux. Ils prennent la place du véritable Dieu. Yango, total qui mène à la réalité. C'est pourquoi on avait vu dans la réalité. Comme Caleb, Azakom, l'église au Ibisotosa. Comme Caleb est le signe de l'église que nous sommes. Adversaires dans l'histoire des bananes. Et qui sont nos adversaires? Nzambe. À présenter marche église Nios. Le Seigneur a présenté toute la marche d'église. Na 4 et Apocalypse 2, na Apocalypse 3. Dans les livres d'Apocalypse chapitre 2 et 3. Donc na 4 7 églises d'Asie. Dans les 7 églises d'Asie. L'Ikamonios et Koukoya na église. Tout le problème qui peut venir à l'église. Et ça na 4 7 églises. Se retrouve dans les 7 églises. Lobanga inde na invité. Te dire que c'est moi qui ne connais pas ça pour voir et je ne parviens pas à le voir. Mais et ça, mais cela existe dans les sept églises. La prochaine à la baïmoule, je demanderai au Seigneur de me faire grâce. Vie à l'église, donc la vie de l'église et ça n'a qu'à ta sept église. Se retrouve dans les sept églises dans une à qui ça. Je prends un exemple au moins, ils sont au son d'une télévision. Vous voyez, si vous achetez par exemple une télé,
Il y a un document qu'on appelle le catalogue. Ah, mais ça va Mokanda. Donc il y a ce catalogue. Mokanda wana. Donc ce catalogue là. Donc la marche de la télé. Ezana Mokanda. Donc le fonctionnement de la télé se retrouve dans ce catalogue. Ata au zombie téléphone. Même si tu achètes un téléphone. Il y a toujours un document qui parle du fonctionnement de ton téléphone. Donc il faut comprendre. Donc tu dois comprendre bien. Vie église. La vie de l'église. Catalogue là. Dans les catalogues de l'église. Et cette église. N'est l'église à Sapo et Apocalypse. Vous avez un moment? Est-ce que aussi maintenant on va la marche pour moi simple? Je prends de la marche simple. Donc mais cette église. Mais cette église. Les catalogues à l'église. C'est ça le document qui parle du fonctionnement de l'église. Voilà. C'est ça, il y a bon. Donc, beaucoup comme ça, vous pourriez être quelque part. Quelque part. N'est-ce pas, Quelque part. Ma cambo, la vie sont des gens en carte à cette église. Tous nos problèmes se retrouvent dans les sept églises. On voit ça en France. Tu peux être en France. On voit ça à Watt. Tu peux être n'importe où. Ma cambo, la vie sont des gens en cette église. Vos problèmes se retrouvent dans les sept églises d'Asie. C'est comme ça Dieu a fait. Les aliments qu'on vient d'appeler à Salamaka. Il y a nous t'ont remarqué. C'est pourquoi nous remarquons. Et l'Église a combattu la trois doctrines. L'Église est combattue par les trois doctrines. Doctrine à Nicolas. L'idée à Bali Nicolas. Doctrine à Bala. L'idée à Yabala. La doctrine à Jézabel. Mais l'idée à moi aussi Jézabel. L'Olémi Caleb a l'obéi trois fils à la. De la même manière Caleb avait vaincu les trois fils à la. Yopé, ils y feront à trois doctrines. Toi aussi, l'église, tu vas vaincre ces trois doctrines. Ton côté est librement. Nous allons prêcher librement la parole. Pour salir la vie. Pour que le salut nous parvienne à tous. Et là où j'étais tombé, je vais me répentir. C'est très important. Les aliments, tu la répentance, c'est en nature avant la zambie. Et si quand la télé est malade, la maison ici. Là où je ne m'étais pas bien positionné, j'ai retourné. C'est ça, c'est tout la parole du Seigneur. Il y a mon épétale, il y a mon zambie. Donc il faut y aller. Donc tu vas savoir. Marche mieux sur l'église de manière Jérusalem. Toute la marche de Jérusalem. Ils ont continué tout ça. Et sa continuité. Et ça n'a qu'à ta sept églises. C'est les trucs dans les sept églises d'Asie. Donc tant que nous nommerons par la grâce de Dieu. Lorsque nous en parlerons par la grâce de Dieu. Même la deuxième culte déjà dans mon compte. Lors du deuxième culte, nous y entrons. On entend l'homéra maintenant trois doctrines déjà. Parler de ces trois doctrines. Et je sais que vous allez comprendre petit à petit. Et je sais que tu vas commencer à les comprendre petit à petit. Donc, il faut tout vaincre, Yango. Nous devons vaincre ces trois doctrines. Comme Caleb avait vaincu les trois fils d'Anna. Il faut qu'on vainque. Il faut vaincre ces esprits. Parce que la carte d'un fils, Mogo Yana. Parce que je suis un fils d'Anna. Il y a aussi notre petit fils d'Anna à l'intérieur. Bah, on se faisait porter même nom. Et tous portent le même nom de leur père. Pourquoi Tata n'a pas vu? Donc, on va s'en rendre de la doctrine de Jézabel. On pourrait être en train de parler de la doctrine de Jézabel. Mais dans le mouvement de Rotabre, là, tout le monde a Jéroboam. Mais dans le mouvement, on verra Jéroboam. Tout le monde a maintenant béni sur la main. On verra beaucoup de choses là-bas derrière. Mais écriture, n'a raison de matin. Mais par les écritures, et on parle de raison. Donc, on entrera dans le livre des rois. On entrera dans le livre des rois. Clairement. Clairement, nous en parlerons. Pour les Alaka, parce que papa mon corps, il y a le père. Dans un papa, dans un maison porté même nom. Il y a beaucoup d'enfants derrière qui portent le même nom. Dans un maison, pas trois fils d'Anna. On parle des trois fils. Trois fils d'Anna, voilà, et bon tapé. Ces trois fils d'Anna, la honte en chantant aussi. Dans les mêmes mots, dans ma doctrine de Nicolaïde. De la même manière, en parlant de la doctrine de Nicolaïde. Il y a aussi beaucoup de choses à l'intérieur. Nous, c'est porté même nom Nicolaïde. Tout porte le même nom Nicolaïsme. Nous sommes là, Jézabel. Tu vois, Jézabel. Il y a beaucoup de choses là-bas à l'intérieur. Mais il faut vaincre trois fils. Que Dieu bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu dans le colonne à mon corps. Et la grâce du Seigneur soit sur tout à chacun. Et l'ami qui est en bas, va construire un mini à vos compagnons. Je sais que le Seigneur sera préservé et gardé. À vos battes, la yom, mon ennemi qui connaît le cas. Il va vraiment te garder plus de tout. Le Seigneur ouvre ses portes.
Et qui te fasse vainqueur en toutes choses. Et qui t'ouvre les chemins. Et que ta salade soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es un grand gardien. Merci Seigneur parce que tu es un grand gardien. Libanda na yo mo konti muzo asalite. Hors de toi il n'y a point de notre. Na tato li kombo na yo parce que ça misa. Je confesse ton nom parce que tu es Dieu. O koka na yo so Seigneur. Je vais pas faire en tout au Seigneur. Bolu na yo ezala li kolo na moko na moko. Que ta grâce soit sur tout et chacun. Kombo na yo etongo ama o Dieu. Que ton nom seul soit élevé au Dieu. Kombo na yo etalisa ma Seigneur. Que ton nom seul soit manifesté. Tara mon frère. Seigneur regarde mon frère. Tara ma soeur. Regarde ma soeur. Combien ça va vous Seigneur na yo. Combien il a besoin de toi. Abike la ngolu Seigneur. Qu'il puisse vivre la grâce. Amon a beau fogo amisa. Qu'il voit une ouverture. Au continuer le fan à la motema na yo. Et ton rêve vient demeurer dans son cœur. Yon le va qui ton romata. C'est toi qui as venu que nous puissions dire. Dans sa belaga. Que nous puissions prier. Que ton rêve vienne. Yahweh au continuer yo et ya. Au continuer ça na motema na yo. Que ton rêve soit dans le cœur de mon frère. L'issou ekima. Que le péché fuit. Que la sainteté c'est ça. Bessaye ma casse. Donne-lui la force. Parce qu'on l'aura dit. Parce que tu avais dit. Que nous puissions prier. Ne nous soumets pas à la tentation. Qu'on tient à lui sauter dans ma Seigneur. Mais délivre-nous du mal. Si tu as pour la mission dans ma vie. Et à moi, amis, qu'on s'embête. C'est pourquoi je prie. Qu'on dit qu'à te qu'à quoi. Seigneur, ne nous abandonne pas à chute. Au péché. Bâtez-la pour moi, Seigneur, garde sa vie. L'issoum, on y en se tout dégrédé. Et tout péché qui s'oppose à nous. Laissez-le ma casse à Colombe. Donne la force de vaincre. Moi, mon y en se la Moïse. Tout dessein de terreur. La télémélie à moi, la tombe dans les autres. Je lui oppose au nom de Jésus-Christ. Il fait peine à maladie. Tout vent des maladies. La déjouée à moi, la tombe dans les autres. Je déjoue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.